Salut à tous, c'est Macogneur Minou, on se retrouve pour le cinquième épisode sur le fangame Macogneur Minou. Alors, on s'était laissé ici, je m'apprêtais en fait à poursuivre dans l'histoire, et c'est vrai qu'on m'a rappelé en commentaire, merci Néo de me l'avoir dit, je me suis un peu emballé, en fait j'ai tellement galéré à XP les Pokémon, à trouver ma petite équipe, qu'en fait j'en ai totalement oublié une partie du scénario, à savoir que la ville précédente, il fallait que je me pointe quand même dans l'arène. J'avais l'arène à faire, j'avais la team Hack à vaincre. Et à la base, j'étais venu dans ces petites herbes pour m'entraîner, pour pouvoir aller battre la team. Donc du coup, on y retourne. Et c'est vrai que si je commence à avancer n'importe comment, on va plus s'y retrouver. Ok. Toi, on t'avait battu. Avec leur coiffure. Bon, du coup, j'ai même pas sonné mes Pokémon parce que je suis trop intelligent. Bon, du coup, ce qui est bien, c'est que on a quand même pris un petit pet d'XP. On a une petite avance là, c'est pas trop mal. Ouais, tu vas te faire défoncer par le boss. On va aller, je vais me soigner vite fait. Tant qu'on est pas trop loin de la sortie. Merci. Alors, du coup, on retourne là-dedans. Est-ce qu'on laisse ce Reptincelle en premier? Hop, Pokémon, on va mettre quand même peut-être... Oui, parce que ce serait bien que Kaki puisse évoluer. Le bon petit labyrinthe des teams que Néo nous a pas épargné. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? Oula, qu'est-ce que... Un antidote, d'accord. Si tu me bats, reparle-moi, tu auras droit à un indice. D'accord. Du coup, j'ai bien fait, je voulais l'éviter, mais en fait, battons-le. On a fait un bon truc en changeant Kakipus. Bon, je me suis fait un petit peu avoir au niveau des touches là. Il faut que je trouve un moyen de me les mémoriser. Ouais, allez, qu'est-ce qu'on a? Mimiqueux, je garde jamais. Kakipus évolue. Cool. Ça nous fait une sacrée belle petite équipe. Il faut que je lui reparle, putain, je suis bête. Moi. Je suis un petit peu bêta. Il y a un interrupteur sous la chaise. D'accord. Mais où? La voie est ouverte, mais où? C'est très intelligent de
de placer ce genre d'interrupteur caché. Allez, tu vas parler ? T'es qui, gamin ? J'étais en pleine discussion avec le directeur. Je suis l'admin de la team Hack. Nous voulons votre mot de passe internet pour accéder aux données secrètes. Ok, alors... Bon, c'est un admin, il va quand même avoir des sacrées bestioles. Ah oui, quand même. Bon, niveau 8, mais ni de clean quand même. Hein. On dirait Astérix avec ses petites ailes là, Kakibus. Ses petites ailes sur le crâne. Ça fait quand même des sacrés Pokémon dès le début du jeu. Bah, j'étais persuadé d'avoir changé pour Herbiza. J'ai dû encore me tromper de touche. Ok, bon, tant pis. Ah bah non, c'est à cause de son talent. C'est vraiment un talent handicapant ça quand on y pense. Je vais mettre Reptincelle aussi. Sacré bestiole quand on y pense, mais ça me fait délirer. Bon, du coup, ça me fait un peu rire parce que je repense à Néo dans son premier mail quand il m'annonçait le jeu, qui me disait que j'en aurais pour 4 ou 5 épisodes. On est toujours au début du jeu et j'en suis qu'au 5ème épisode. Merci gamin, voilà pour te remercier. Une hyperbole. C'est tout ? Putain, t'es radin gros. Du coup, théoriquement, on a libéré la reine, donc on va aller voir un petit peu. Comment ça se goupille? C'est bon, j'ai tout niqué. Tum 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 tum. Allez. Alors, on va donc aller à l'arène, si on peut. Ok. L'animation vol est classe. Alors. Deux dresseurs dans l'arène n'ont que des Pokémon niveau 1. Mais bon, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est l'énigme. Les Master Balls sont des interrupteurs, les Hyper Balls sont des murs qui peuvent être déplacés par les Master Balls. Ok. Ah, ouais. Ah ouais, ça j'avais jamais vu encore, ça c'est cool. Charles. C'est énorme. Bien vu Néo, franchement. Je suis mort de rire en fait. Alors...
Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, c'était dans un épisode. Dans un épisode des Clapourpres, je crois. En fait, ça vient d'une vidéo. C'est Jean-Hanche le Musclé, un youtubeur de musculation que je vous conseille franchement d'aller voir. Il fait des vidéos complètement délire. Et il se foutait de la gueule d'un gars. D'un gars, voilà. Charles Lafay, hein, donc. Il avait fait une petite vidéo sympa sur Harry Squatter. C'était dans sa chronique 2 d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'était excellent. Alors, allez. Non, qu'est-ce que tu me fais? Ok, capoeira. Ah oui. Il est combat le petit coco. Capoeira et KO, ok. Ton nom c'est pas Charles. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi? Je laisse encore un petit coup Carapuce, pour l'instant il domine. Après j'enverrai sûrement un autre. Je vais me garder, ouais, je vais me garder les autres tranquillou de côté pour le champion. Bien joué, merci. Merci beaucoup. Alors, il faut que je déplace avec des Master Balls. D'accord. Mon dieu. Théoriquement, je me suis gouré. Pas évident, Néo. Il nous a fait une énigme à la Clapourpre là. Ça y est. Attention, ne te mets pas derrière le champion pour lui parler, sinon le jeu va planter. D'accord, bon à savoir, merci. Ça doit être les joueurs niveau 1, ça du coup. Je me trompe toujours. Quoique Débugant est pas encore de type combat, je crois qu'il est encore de type normal. Bah non, pour le coup, on va laisser Kiki là. Hein. Sympa d'avoir un Galifeu dans une arène de combat. Il faut qu'on le up un petit peu lui aussi.
il nous reste une pépette. On va se changer. On va mettre tomate choc un petit coup quand même. J'ai pas lu ce qu'elle m'a dit, c'est dommage. Ça a été un peu vite. Combattante Alice. Ah, c'est ça, le niveau 1, d'accord. Bon, c'est un petit bug, ça arrive. C'est pas trop grave. L'animation de paralysie est super cool. Ok. Je regarderai au montage quand même ce qu'elle me disait, parce que Neo glisse pas mal de références. Pas content. Énorme. Alors, faut pas que je me mette derrière. Je vais déjà sauvegarder. Ok. Allez, stop. Donc voilà, on s'est tapé quand même l'arène, pas l'arène, la team dans cet épisode. Donc je vais attendre, je vais relancer un nouvel épisode pour ce champion. Donc on se dit à tout de suite. C'était MacConnerMinou, bye bye.